2019 soit une année de paix pour nous tous. Et nous voulons que cette année 2019 soit une année où chacun, quelle que soit la difficulté, va pouvoir rentrer dans sa propre destinée. Je voudrais vous dire ici, chers enfants, que être au centre Mamé, c'est une bénédiction. Être au centre Mamé, c'est une bénédiction. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que nous sommes dans un centre que nous ne serons pas appelés à être demain des hommes et des femmes capables d'être de véritables modèles de notre nation. Nous pensons tout simplement que c'est l'opportunité que Dieu vous donne pour essayer de donner le meilleur de vous-même dans vos études et de prendre un bon départ. Nous pensons pour notre part qu'en venant vers vous, nous essayons de faire l'un des cultes agréables à Dieu. Nous avons apporté ce que nous avons pu, mais nous avons apporté beaucoup plus notre cœur, notre amour. Parce que le matériel que nous avons apporté n'est rien. Mais ce que nous avons au-dedans de nous, l'amour et nos prières, nous pensons que ce sont des éléments les plus importants. Et nous apportons notre temps pour être avec vous, pour penser à vous. Et nous souhaitons que Dieu vous accompagne pour que demain, vous soyez mieux que nous, pour que demain, vous soyez les véritables modèles de notre nation. Comme on dit dans notre devise, l'amour, la dignité des responsabilités. Donc ces enfants, comme ils sont les amis de Christ, et vous, vous êtes les amis de Christ, et s'englobe sérieusement l'amour du prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Il ne faut pas mépriser l'autre. Il ne faut pas calculer si l'autre. Il faut l'aimer selon la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que le seul Dieu qui connaît nos cœurs. Il n'y a que le seul Dieu qui sait ce qu'on fait. Et si vous avez l'amour et ce que vous faites au nom de Christ Jésus, vous le ferez toujours mieux sans faire les préjugés sur l'autre. Ici, c'est seulement une étape. Demain, vous serez les modèles du Gabon. Et demain, vous saurez mieux servir le peuple parce que vous, vous aurez compris le sens de la communauté, le sens de vivre ensemble, le sens d'aimer l'autre sans connaître forcément ses origines, le sens du bien commun. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et que demain, vous soyez des modèles pour la nation. Je vous remercie.